Ça, c'est ce que j'appelle une intro qui déboîte tout. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un vidéo test de Naruto Clash of the Ninja sur GameCube qui est sorti en 2003 au Japon et en 2006 chez nous. Et ça a été fait, bien sûr, nous on a la version européenne comme ils appellent ça, je sais pas pourquoi ils mettent bien sur le titre version européenne. Enfin bon, c'est pas grave. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas les voix américaines. Ce qui est bien, c'est qu'on conserve toujours les voix, on a toujours les voix japonaises. Donc ça, c'est bien. Sinon, Clash of the Ninja est un jeu de combat, comme vous pouvez le voir dans la démo. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs simultanément. C'est un peu du grand n'importe nawak. Par contre, en 4 joueurs, hein, je vous le dis direct, c'est vraiment pas très jouissif. Et donc oui, ça a été fait par Tommy et édité par Nintendo. Je pense, parce que Nintendo, on les voit partout. Là. Attention, Nintendo. C'est limite si on va voir la casquette de Mario. Mais bref. Alors c'est un jeu de combat à la Budokai, c'est-à-dire que, comme vous avez pu vous apercevoir, c'était de la 2,5D. C'est-à-dire qu'on combat dans des arènes en 3D. Mais les personnages se déplacent plus en 2D, soit en arrière, soit en avant. On peut bien sûr quand même straffer un peu, on peut avec le bouton R et L, on peut aller faire des pas de côté. Mais bon, c'est limite. C'est comme Budokai quoi. On va mettre difficulté 4 hein, pour l'honneur du grand Oliver Plasma. Et même si je vais me remettre en 2, je pense pour le mode histoire, parce qu'il est assez chaud en difficulté 4 quand même, le mode histoire. J'ai envie de vous montrer quand même pas mal de choses dans le mode histoire, même s'il est assez basique, le mode histoire. Et donc voilà, comme tout jeu de combat, il y a le mode VS, le mode multijoueur, tout l'intérêt d'un jeu de combat. Voilà, là on peut jouer jusqu'à 4 joueurs au maximum, c'est assez bordélique, sachant qu'on peut quand même choisir plusieurs équipes bien sûr. Je sais pas, 3 contre 1, on peut faire 2 contre 2, ou on peut faire chacun pour sa pomme. Bon, il y a bien sûr le mode 1 contre 1 et Team Battle. En fait, c'est je vais vous montrer ça dans le mode. En fait, on a exactement les mêmes modes hein, dans le mode 1 joueur. C'est juste qu'on joue contre l'IA. On a juste là c'est jouer contre l'ordinateur, c'est un espèce de mode arcade. Là, c'est ces deux personnages qui sont contrôlés par l'ordinateur. Enfin, c'est l'IA vs IA, c'est un peu de la merde. Je vois pas trop l'intérêt. Team Battle, c'est encore c'est le combat par équipe qui est vraiment intéressant à deux joueurs. Le combat par équipe, c'est l'un des meilleurs modes auquel j'ai joué. Avec le mode survie aussi qui est assez intéressant, qui permet aussi de gagner pas mal de Ryo, pas mal de fric. De Zeni, de Berry. Non, en fait, j'ai l'impression que là, les Japonais, ils ont plusieurs. c'est un peu bordélique, hein, au niveau de l'argent. Mais bref, dans Naruto, c'est des Ryo. Et dans le mode survie, on en gagne pas mal. Sachant que les personnages, on les débloque avec en achetant au magasin. Voilà, on les achète au magasin. Et on les débloque en faisant quelques missions, en faisant quelques modes de jeu, en débloquant des modes de jeu ou enfin, tout ce que vous voulez. Je sais pas trop comment je les ai débloqués, ou en faisant le mode histoire en entier. Et on pouvait aussi déverrouiller, agrandir le mode histoire à un moment. On pouvait acheter des nouveaux des nouveaux combats pour le mode histoire. Des nouveaux petits bonus qu'il y avait dans le mode histoire qui étaient cachés, et ça c'était assez sympa. Des trucs uniques hein, qui ne sont pas dans le manga. Donc le mode survie, voilà, c'est on survit contre plusieurs IA on fait en gros plusieurs modes VS à la chaîne. Et s'il nous reste plus que un quart de notre barre de vie, on gagne un cinquième de notre barre de vie après,
ou un truc comme ça, faut vraiment pas se faire toucher, parce que au bout d'un moment ça devient vite difficile, et puis au bout de la du 45e ou 50e adversaire, ça devient assez chaud. Mais les combats sont très très rapides au mode survie. Le mode Oboro, c'est un mode beat'em all en gros, on combat plusieurs clones. Et Time Attack, c'est un mode que je n'utilise jamais. Faut réussir le mode arcade, je crois, le plus vite possible. Un truc comme ça. Et donc, on va faire le mode équipe. Comme vous pouvez le voir, nous avons quand même un casting assez incroyable. 23 personnages. Non, c'est pas mal pour l'un des premiers jeux de Naruto. Parce que Naruto est un shonen qui a été fait en 2002, enfin commencé en 2002, donc c'est quand même très très récent. Enfin en tout cas, l'anime a été commencé en 2002. Après je crois que, je suis pas sûr, mais je crois que c'était en 2001 les mangas. Un peu plus tôt, enfin début 2000 quoi, et donc pour moi c'est quand même récent. Et ce jeu là est sorti en 2003. Donc voilà, c'est quand même peu de temps après. Et ils ont quand même mis pas mal de personnages différents. Et ils sont allés du tout début à l'Académie des Ninjas. Où Naruto était très mauvais. Il savait même pas faire le multiclonage, honte à lui. Et jusqu'à l'examen des Chunin. Voilà. Et à la fin, quand on combat Gaara. Donc voilà, alors on va prendre Neji Yuga, parce qu'il est très fort. Avec ses 64 coups du Haki, c'est pas de la rigolade. Sasuke en Sharingan, sachant que Sasuke en Sharingan est le dernier personnage. Enfin, Sasuke avec Sharingan, attention. Faut que je traduise très bien. Sasuke avec Sharingan est le dernier personnage qu'on débloque. L'avant-dernier, c'est Orochimaru. Complètement cheaté aussi, Orochimaru est super fort. Mais bon, comme dans l'anime quoi. Allez, on va prendre ce Kakashi avec Sharingan aussi. Qui se débloque assez rapidement par contre, je crois. Kakashi avec Sharingan. Contrairement à Sasuke. Allez, Rock Lee, mon personnage préféré. Même s'il a pas beaucoup de coups différents. En tout, je crois qu'il y a 17 arènes. Ce qui est un très bon nombre. Ce qui est vraiment convaincant. Et comme je vous l'ai dit, voilà ce Dragon Ball. J'allais dire Dragon Ball Z Budokai. Ce Naruto Clash of the Ninja reprend exactement les mêmes traits que Dragon Ball Z Budokai 1. C'est-à-dire. Ah voilà, c'est la 2,5D. On combat vraiment en 2D quoi. Mais dans un univers en 3D. Et en cel shading, et c'est magnifique. Bon, même si les décors sont, on va dire, moyens et assez dépassés maintenant, on peut toujours dire que les personnages sont extrêmement bien modélisés. C'est assez impressionnant. Je trouve qu'ils sont mieux modélisés que dans les Budokai. Voilà. Le cel shading là, il est mis en. Assez. C'est cel shading en puissance quoi. Putain, je me fais défoncer. Donc voilà, très très beau moteur graphique quoi. En tout cas pour les personnages très bien modélisés. Les animations sont exceptionnelles aussi. Vous voyez, c'est très fluide, c'est en 60 fps, ça fait plaisir. Ou en 50 plutôt, parce que je suis en 50 Hz, mais c'est pas grave. Je vois presque pas de différence entre les deux. Et bon, le problème aussi, c'est les combos qui sont assez répétitifs. Car y a pas mal de combos différents. Le problème c'est que les combos sont très ressemblants. Comme vous pouvez le voir là, je vais faire voilà, je me suis viandé. Comme vous pouvez le voir, je suis un noob là, je fais n'importe quoi, je fais toujours la même chose. On peut balancer des kunai. On peut aussi faire quelques attaques au corps à corps avec des kunai, ce qui est intéressant. Enfin, certains persos peuvent faire ça, sinon il y en a qui n'ont pas de kunai carrément. Bah, je crois Naruto
En renard à 9 queues, je crois qu'il a pas de... La plupart du temps, il attaque avec ses griffes. Personnage très puissant qu'on débloque assez rapidement aussi. Donc voilà, vous voyez, la plupart des persos se débloquent assez facilement. Purée. Sauf bien sûr les deux derniers, Orochimaru et... Putain, je joue comme une merde. Et Orochimaru et Sasuke, Uchiwa en Sharingan. Le problème c'est que c'est très difficile de se concentrer quand on est contre un niveau 4. J'aurais pas dû faire mon malin. Sion, Kunai ultime. Purée, mais... Bon allez, je vais quitter parce que là c'est n'importe quoi. Vous avez compris ce que c'était le mode 3 joueurs. Le mode 3 joueurs qui permet de... d'avoir 3 personnages chacun. Et pour que le combat dure bien plus longtemps et que ce soit plus intéressant, on va faire un petit mode survie. Vous allez voir en quoi ça consiste. Je vais prendre Rock Lee parce que je l'adore. Rock Lee, c'est le maître en taijutsu et je l'adore. Il est tellement rapide. Avec aussi sa deuxième phase là. Attention, ça voilà. Puisque tous les personnages ont leur propre technique aussi, quand même. Certes, ils ont les combos sont assez répétitifs, on peut voir les combos, il y en a 17 je crois. 19 pour Rock Lee, il y en a 17 je crois pour Naruto. Tous les combos sont... vous pouvez voir quand même, il y en a vraiment beaucoup. Le problème c'est qu'ils sont très ressemblants. Voilà. Je vous explique, par exemple je fais A, B, A, je sais pas, je fais un truc de fou là. Voilà, là, vous avez vu, ça a fait ça. Si je fais que des B... Voilà, ça fait presque la même chose quoi, enfin c'est ça qui est dommage, c'est que les combos sont très ressemblants. Malgré les animations qui sont exceptionnelles. Voilà. Très bonne animation, les personnages sont très bien animés, c'est très fluide. Et franchement, bah revoir ça actuellement, franchement je trouve le jeu n'a pas du tout pris un seul ride en voyant les. Quand même les personnages sont très bien modélisés. Même si on fait quand même bien mieux avec les Naruto actuels. Mais voilà, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, il y a le maître crapaud derrière, attention, je sais plus le nom du maître crapaud qui est contrôlé par Jiraiya. On n'a pas Jiraiya dans ce Naruto, mais bon, en même temps, c'est le tout début. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment le tout début et c'est parfait pour les jeunes qui n'ont pas connu Naruto, tout simplement. Bah même je trouve que ce jeu là, même si on n'est pas fan de Naruto, si on aime les jeux de combat de base, franchement je pense qu'on peut vraiment s'amuser dessus. C'est vraiment un bon jeu. Même si les techniques sont, enfin les combos sont assez répétitifs, vous voyez comme je le fais là, il peut être assez technique hein, avec quand même sa défense. Enfin quand on peut pour se défendre, et bah il faut rien faire. Par exemple, là, voilà. Sachant que si on bouge un tout petit peu, et bah, il se défend pas le personnage. Donc c'est assez technique. Sachant que bah, le niveau 4 utilise énormément la défense. Et il nous contre assez facilement. Même si j'arrive à les battre hein, en temps normal, bien sûr. C'est juste que là, j'ai fait n'importe quoi. C'est un jeu sur lequel on prend assez rapidement son aisance, quand même. Et je sais pas trop si ça se dit. C'est assez beau quand même. Comment je dis? C'est pas grave. Là c'est dans la forêt là, quand le serpent derrière là, contrôlé par Orochimaru. Vraiment beaucoup de clins d'œil au manga, c'est. Enfin, c'est aussi le manga est très bien respecté. Enfin, très bien respecté. Comment dire ça. La narration ça raconte bien, je trouve, le début du manga. Du shonen, et ça c'est vraiment pas mal dans le mode histoire, c'est assez bien foutu. Enfin, même si le mode histoire est assez banal comme on s'est fait, on voit juste des bulles de dialogue, hein. C'est même pas des cutscenes, c'est juste des bulles de dialogue. Je pense qu'on pourrait quand même bien faire mieux, hein, surtout dans Budokai 1, on avait carrément des cutscenes et tout, extrêmement bien foutu, qui était vraiment fidèle au manga, à l'anime.
Alors que là, bah, c'est fidèle à l'animé, mais le problème c'est que c'est juste des bulles de dialogue. Donc c'est un peu dommage. Donc sinon, je vous ai pas parlé aussi du chakra qu'on a en dessous, qui a la même fonctionnalité que de toute façon le Kai hein, dans les Dragon Ball Z. C'est en gros l'énergie que possèdent les ninjas, où ils peuvent utiliser le Genjutsu, même si Lee peut pas utiliser le Genjutsu, mais ça c'est pas grave. On s'en fout, là c'est un jeu. Et donc, avec le chakra, tout simplement, là on peut, c'est pas très poussé, on peut juste faire une technique ultime. La fleur de lotus pour Rock Lee. Ah, je vais vous la montrer. Ou alors, on peut faire aussi cette technique là, voilà. Se renforcer un peu. Deuxième phase. Ou aussi faire la phase ultime, mais le problème c'est qu'on perd énormément de vie. Attends, je vais pouvoir au moins vous montrer l'attaque ultime. En phase ultime. Beaucoup d'ultime. Qui est vraiment magnifique. Voilà, c'est quand il a ouvert les 5 portes là du lotus, je crois. Si j'ai bonne mémoire. Et là, il a envie de chier. Voilà, c'est la classe. Et donc, vous pouvez voir, attendez, là c'est un truc assez marrant. On peut voir Choji. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis d'ailleurs comme personnage jouable. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis, ils ont peut-être oublié. Choji, on peut le voir carrément derrière, dans la foule là en 2D. On sait en 2D, hein, bien sûr. Le petit gros là. Enfin, je crois que c'est Choji. Hein. Je sais pas, on voit pas très bien, mais. J'ai toujours cru que c'est Choji. Ah, donc j'ai gagné, c'est la classe. Tiens, Haku. Aïe. Ça c'était la première mission de Naruto et de Sakura et Sasuke. Avec Kakashi, attaqué, qui a la classe. Oh, il n'y a pas un nom qui a la classe, mais c'est pas grave. Sion, fleur de lotus. Voilà, c'est là qu'on dit franchement respect. C'est vraiment, vraiment fidèle à l'anime. C'est exactement les mêmes gestes. C'est quand même ça qui m'avait bluffé à l'époque. Iruka Sensei, qui est dans l'anime, il est assez pourri. Personnage pas très fort. À part faire des permutations, qu'est-ce qu'il sait faire, franchement? Ah oui, je vous ai pas parlé aussi des permutations. Quand on se fait toucher, on peut permuter en faisant L et R. Je sais jamais les deux, donc je fais à chaque fois les deux. Je crois que c'est R, que R. Ou peut-être que L, ça marche aussi. Ah, là, on a attaqué ensemble, donc ça a fait... ça a annulé notre attaque. Donc, ça a fait un espèce de ralenti, vous avez vu. Ou plutôt un freeze. C'est assez stylé. Et donc sinon... Qu'est-ce que je dis? Ah oui, la permutation, on peut la faire que quand on se fait démonter et qu'on a une boule de chakra. Parce qu'on peut en remplir deux là, des boules de chakra, comme vous pouvez voir en bas là, des espèces de sphères, on va dire, plutôt de chakra avec des flammes violettes. Par exemple, je fais ça et puis là j'en ai plus. Et je vais vous dire quand je pourrais le faire. Le chakra, on peut pas le recharger comme ça, on le recharge que en combattant, en attaquant l'ennemi. Voilà, là par exemple j'ai une boule de chakra, donc je pourrais permuter. Par contre je pourrais pas faire mon attaque ultime. Voilà, l'attaque ultime faut avoir tout chakra. Tout chakra rempli. Donc bon, c'est assez basique. Ah, et aussi j'ai pas montré les animations au début de combat, mais là par exemple il y a une Naruto qui faisait une petite animation. Ils ont tous des animations et la plupart du temps c'est des animations reprises de l'animé. C'est vraiment... c'est bien foutu. Là c'était l'animation quand il... quand il relevait le point là, contre Neji Yuga, c'est à l'examen des Chunin, il lançait le défi là quand Hinata s'est fait défoncer par Neji. Pour les fans, ou pour ceux qui ont juste fait le jeu, on sait jamais. Kankuro, personnage très très difficile à maîtriser, Kankuro. Parce qu'en fait il contrôle sa marionnette. En même temps, faut savoir contrôler sa marionnette et contrôler lui-même.
Donc on peut faire vraiment... Ça peut être un très bon combattant si on l'utilise très bien, mais bon. J'ai toujours trouvé moyen parce qu'il est assez chaud quand même à utiliser. Bon, c'est perso, c'est un perso que j'ai jamais pris. Bien sûr, si j'étais en difficulté 4... Enfin, parce qu'en mode survie, en fait, même si on est en difficulté 4, c'est comme si on était en difficulté 1 au début. Parce que le mode survie, bah, c'est... Ça va de... Comment dire, d'échelle en échelle, ça va de... Ça va tranquillement au début, et puis après c'est extrêmement hard, au bout du 30e combat à peu près. Bon, déjà ça commence à être un peu plus dur avec Gaara, même si c'est tranquille quand même. On prend rien à sa life. Là ça va être le contraire, ça va pas être Rock Lee qui va se faire battre par Gaara. C'est magnifique. Je peux vraiment tout faire dans un jeu. Mais aussi pour vous dire aussi que bah, les personnages ont à peu près, je dirais à peu près la même force. Si on les utilise tous bien, on peut se débrouiller. Vraiment, ce qui est bien dans ce jeu quand même, même si les combos se ressemblent, c'est que les personnages ils ont vraiment leur propre pattern. Leur propre coup et tout. Hinata qui a des coups assez techniques, assez rapides, mais par contre qui ont une très mauvaise portée. Alors que lui, il a des bonnes portées avec ses gros coups de pied et avec sa tornade de Konoha là, qui fait mal. Ouais, il l'a fait magnifiquement là. Où il y a aussi, voilà, les grands coups d'épée là de notre cher Zabuza. Du village caché du brouillard. Et donc, c'est... Voilà, tous les personnages ont vraiment leur propre coup. Comme Naruto avec son multiclonage. Et puis aussi, il faudrait que j'arrête ce mode survie. Et que je fasse plus le mode histoire pour vous montrer quand même comment est formé le mode histoire. Parce que nous sommes déjà à 24 minutes. Ça tourne assez vite. Donc, le mode entraînement, c'est pour s'entraîner aux techniques liées. Il n'y a pas d'IA. Le personnage qui est contre vous, bah, il fait rien. Sauf si on peut changer, on peut configurer un peu l'IA. Et donc voilà, le mode histoire. On peut sélectionner l'histoire que l'on veut. Une fois qu'on a fini, je pense. Et là, vous voyez, normalement, ce niveau-là, c'est le dernier. L'histoire 20. Mais là, il y a la 21e histoire qu'on achète dans le magasin. Sachant que l'argent, on en gagne à chaque fois qu'on fait un combat, donc c'est assez rapide. Des Ryo, on en gagne assez rapidement. Par contre, à côté de ça, y a des personnages vraiment chéros, comme Orochimaru et Sasuke, avec Sharingan, qui sont des personnages quand même très très longs à débloquer. Mais bon, c'est encore pire dans Naruto, Clash of the Ninja, là, Ultimate, je sais pas quoi, là, Naruto Shippuden, sur Wii. Je sais plus le nom exact du truc, mais c'est Clash of the Ninja, en tout cas c'est la version européenne. Et ben là c'est un truc de fou. Hein. C'est... Tous les personnages sont chers. Les moins chers, ils sont à 10 000 Ryo, c'est un truc de fou. Surtout ça, le point faible du deuxième Naruto, enfin, deuxième Naruto que j'ai sur console de salon, c'est que... C'est très long. On met beaucoup de temps à débloquer les personnages. Donc voilà, là, les modes histoire, je vais vous faire, tiens, le mode histoire avec Lee et son maître, son sensei. Tout simplement, le grand, le sublime, Guy. Ah, je vous ai pas montré les bulles de dialogue, mais c'est pas grave. Là, c'est des... Là, c'est, comment dire... Si, c'est repris du manga encore. J'ai un peu dit n'importe quoi au début, avant. Je disais que c'était des petits bonus, certes c'est des petits bonus dans le mode histoire ça. Différents modes histoire qu'on achète. Juste après d'avoir fini le mode histoire tout simplement. Et cet épisode là, il sert à déverrouiller la technique des 5 portes avec Lee. Et ça c'est vraiment intéressant. Donc c'est comme ça qu'on débloque la nouvelle technique de Lee, parce qu'au départ il avait pas cette technique. Hein.
Purée, là je me suis viandé. Je crois qu'on peut pas l'utiliser. Ah bah, comme ça vous pouvez voir la magnifique animation de Guy. Voilà, le coucher de soleil. Purée, ça fait peur quand même. Mon dieu. C'est assez malsain, mais c'est pas grave. Voilà, magnifique animation complètement reprise de l'animé encore une fois. On voit exactement faire ça avec le même coucher de soleil, c'est vraiment bien repris, je trouve. Bien sûr, il y a certains persos, ils font pas complètement de permutation. Là, par exemple, Guy, vu qu'il est spécialiste au taijutsu, c'est-à-dire attaque au corps à corps, surtout vitesse et tout, et ben il se téléporte carrément. Hein. Téléportation instantanée. Purée. Comme Lee. Mais aussi Naruto renard à 9 queues. On peut faire A en arrière pour contrer. C'est d'ailleurs je suis pas sûr pour Sasuke, je crois qu'aussi Sasuke au Sharingan, il peut en faisant son contre en fait, s'il y a fait bah, une attaque ultime comme je viens de le faire là et que le joueur y contre avec le Sharingan, et ben il peut carrément copier la technique de l'IA. Et l'IA se fait piéger par sa propre technique. Ça c'est assez impressionnant, c'est vraiment bien repris je trouve de l'animé. C'est surtout Kakashi qui peut le faire, et Kakashi c'est le ninja copieur quoi. Par contre il y a les développeurs qui ont un peu fumé je trouve, par contre à un moment c'est... Je comprends pas trop le délire là quand on peut jouer avec Akamaru. Hein, on peut jouer avec Akamaru qui a deux attaques différentes, c'est magnifique. Très peu d'attaques différentes. Et la marionnette de Kankuro. C'est quand même assez incroyable. Sinon, vu que Lee et Guy, c'est les seuls personnages qui peuvent pas balancer des kunai, à la place ils font plus mal au corps à corps. Parce que c'est des maîtres en taijutsu. Et donc même si on se protège, on perd quand même de la vie avec eux. Voilà. Si on attaque quelqu'un qui se protège, et ben il perd quand même de la vie. Alors que par exemple si j'attaque avec Naruto et que l'autre se protège, il perd pas du tout de vie. Mais la protection en fait, on perd que de la vie par bah, des techniques très puissantes de taijutsu ou les attaques avec les kunai. Voilà. C'est des trucs à savoir ça. Pour souvent battre les ordi au niveau 4. Je vais faire le mode histoire avec... tiens, mode dernier, c'est Sasuke et Kakashi. Là, c'était... Je crois que c'était... Ah oui, avant de combattre Gaara, Kakashi Sensei convoque Sasuke. Ouais. Donc quand même, il y a quelques trucs qui sont repris de l'anime. Même si, par exemple, là, Orochimaru apparaît devant Kakashi Sensei, que lui veut-il? Quoique, attends, si, c'est peut-être repris de l'anime, mais c'est pas du tout dans le même endroit, vous allez voir. Normalement c'est dans un espèce de lieu où c'est un espèce de rituel là où Kakashi fait une technique là pour emprisonner la malédiction de Sasuke. Bon là ils ont pas du tout repris cette arène, enfin cet endroit là, ils ont juste mis l'arène là où on est, bah à Konoha. Bon, c'est un peu dommage. Mais je crois, oui, c'est quand, ouais, c'est quand il est en train de refermer la marque qu'il a sur le cou, Sasuke. La marque maudite, qui lui permet d'ailleurs de se transformer plus tard. Mais on peut pas le voir dans cet épisode. Ce serait dans le... Peut-être dans le deuxième Naruto Clash of the Ninja, que j'essaierai peut-être sur émulateur. Parce que j'ai déjà essayé sur émulateur, comme le Gamecube. Oui bien sûr c'est pas terrible de faire ça, mais bon c'est... J'ai essayé que des jeux japonais hein, il y en a deux que j'ai essayé. Baton Kaitos Origin, qui est simplement le deuxième Baton Kaitos. Parce que moi étant gros fan de Baton Kaitos quand même, du premier du nom qui est sublime, il fallait absolument faire le deuxième. Et j'avais la flemme d'acheter un adaptateur. Surtout que je savais même pas, j'étais même pas sûr que ça allait marcher cette merde. Parce que sinon faut avoir une GameCube japonaise et ça c'est un peu galère. Surtout qu'en plus maintenant bah, je joue sur la Wii.
puisque bah pour pouvoir capturer. Avant j'étais toujours avec ma GameCube, mais bon. Je préfère le design de la GameCube, mais si c'est pour refilmer avec une caméra de merde, non. Vaut mieux passer par la Wii. Merde. Et là je suis en train de galérer. Orochimaru est un personnage très puissant. Même si là l'IA l'utilise très mal. Pourtant je me fais avoir, mais il a vraiment des combos de fou. Avec les serpents et tout, ça, il fait vraiment mal. Surtout que il est complètement cheaté à ce niveau-là, oui, avec les serpents, parce que c'est à moitié une attaque à la kunai, j'ai envie de dire. C'est, comment dire, ça perce la défense un peu, mais en même temps ça te fait un combo de 20, donc en fait ça te perce, tu perds beaucoup de vie même en te protégeant, quoi. C'est assez incroyable. Et merde, je l'ai eu avec les 1000 oiseaux, mais quand il y avait time out, c'est magnifique. Je suis tellement fort. Purée. C'est pas possible. Et niveau challenge, bah c'est sûr. Ce jeu-là, il est assez dur, assez corsé quand on est au niveau de difficulté maximum. Même si c'est pas non plus impossible. Hein. C'est juste que là, je suis en train de parler, donc c'est un peu plus compliqué. Je me concentre un peu plus. Voilà, sinon il y a quelques arènes, voilà, comme celle-là, là, où on peut combattre à Konoha aussi, mais quand il fait beau et quand il pleut, voilà. C'est un peu le problème des jeux de combat, souvent ils te remettent les mêmes arènes, mais quand c'est la nuit, quand c'est le jour, enfin, avec un temps différent, quoi, une météo différente. Allez! Non, j'ai fait n'importe quoi. D'habitude, j'utilise pas n'importe comment le bouton X. Hein. C'est juste que là, je sais pas. J'ai pas dit aussi, je crois qu'on peut faire une chope. Voilà, avec le bouton Y. Ce qui est assez intéressant, même si tu sais pas pourquoi. L'IA au niveau 4, ils excellent à chaque fois. À chaque fois, ils te contre. Ils contre ta chope. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, ils se repoussent. Alors qu'ils font que de se protéger, quoi. C'est vrai que j'ai envie de dire que l'IA, des fois, c'est un peu cheaté, quoi. Ouais, on va faire l'un des premiers niveaux. Quand Naruto est contre... Voilà, quand il y a toute l'équipe contre Sasuke. Naruto, Sakura et Sasuke. Voilà, Naruto et son équipe sont convoqués par Kakashi qui leur impose une épreuve de survie. Mais que cela peut-il bien être ? Donc ouais, il y a des petites phases de dialogue comme ça, c'est sympa, avec les voix... Je sais pas si je l'ai dit, mais on a les voix japonaises. Donc ça, c'est assez important. Hein, parce que moi, j'aime pas les voix anglaises. Les voix américaines, plutôt. Je sais pas, je trouve que ça colle très mal à un manga, et même, la plupart du temps, elles sont ratées. Quoique, dans Naruto, ça va encore. C'est pas ignoble. Mais dans Dragon Ball Z, mon dieu. La voix de Sasuke... la voix de... Purée, je me plante de nom, hein. La voix de Vegeta, purée, ça fait peur. Ah là, c'est une petite image, là, c'est le subconscient de Sakura, là, au tout début, souvent, on voyait son subconscient. Je sais pas pourquoi ils ont un peu abandonné cette idée, là, dans Naruto Shippuden. Ils mettaient plus le subconscient de Sakura, c'était assez marrant, vous voyez Sakura à moitié péter un câble, hein, dans son subconscient. Genre, elle dit, en vrai, elle dit, d'accord, alors qu'en fait, c'est, mais putain, connard, je voulais pas faire ça. Bon, je caricature, je vais un peu trop loin en disant connard, mais c'était un peu ça l'idée. D'ailleurs, son attaque ultime, c'est des coups de poing très puissants de son subconscient. C'est assez incroyable. Allez, purée, je l'ai pas eu. Je voulais vous montrer la technique Naruto en furie, qui est une pâle copie de... La technique de Sasuke, la fureur du lion. C'est ce que dit Sasuke d'ailleurs dans l'animé. Ce qui est assez comique. Purée. Purée ! Ah, là, j'ai fait une permutation juste avant qu'il me touche avec ses 1000 oiseaux, sinon j'étais foutu. Hein. Ouais, c'est quand même très technique. Et voilà, on peut se déplacer sur le côté hein, avec les boutons R et L. Bien sûr, la technique de la boule de feu de Katon, ça fait toujours mal.
Kalton, Katon, boule de feu suprême. Moi, je peux rester, hein. Bon, l'IA souvent de nos coéquipiers est moyenne. Ils sont un peu défoncés. Mais ça change en fonction de la difficulté. Si la difficulté est très basse, eh bien, je crois que nos coéquipiers sont un peu plus forts à la place. Même s'ils sont toujours pas trop utiles, hein, surtout. On fait le sale boulot à leur place. Faculté. Les attaques B par derrière sont très puissantes la plupart du temps. Voilà le fameux trio, c'est la classe incommensurable. Et là voilà, on gagne quelques pièces. Je crois que c'est des Rio, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du nom. On va dire des Zeniths. Hein. C'est la monnaie de Dragon Ball Z. Oh, c'est incroyable ça. Je sais plus si c'est Rio. Je crois que c'est des Rio. R-Y-O. Ça ressemble un peu au personnage de Street Fighter, hein, Ryu. Moi, ouais, je pense que j'ai fait le tour. On peut aussi regarder, si on veut, dans les extras, le sound test déjà. Le sound player, enfin, le sound test et également le son des différents personnages, les voix. Voilà, on peut switcher, comme ils le mettent si bien. Le jeu est presque, la plupart du temps, il est en anglais. Mais les voix sont en jap et ça fait plaisir. Bon, on peut écouter la musique de l'opening, voilà, de ce qu'on a vu au début, hein, l'excellente cinématique là, complètement pour le coup, je crois que c'est qui a été complètement faite pour le jeu, je crois, l'animé qui a été fait au début. Voilà. Sinon, on peut écouter quelques thèmes du mode histoire qui sont moyens. C'est très moyen, hein. Mais la plupart du temps, les thèmes sont sympas. La plupart du temps, c'est des thèmes assez sympas et qui collent vraiment bien à l'ambiance de Naruto. Sinon, après, on a Ninja Info Card, voir les données des ninjas. Bon, ça, on s'en fout un peu, c'est en gros... Non, c'est où les données de ninja? Ah, c'est là. C'est plutôt là. Donc, par exemple, pour Kakashi, on peut voir ses caractéristiques. Comment il est en taijutsu, en genjutsu, SP je sais pas ce que c'est, en ninjutsu, il est très doué en ninjutsu, on peut voir, en genjutsu normalement il est plus doué que ça, je sais pas moi. On peut voir qu'il a 26 ans, on peut vraiment tout voir quoi. Même si je suis pas sûr, je pense qu'ils ont peut-être mis les âges au pif. Hein. Parce que... Je me rappelle pas dans l'animé qui ait dit son âge. Naruto. Bon, par contre, 12 ans, Naruto, c'est faux. Normalement, je crois qu'il a 13 ans. En vrai, il a 13 ans. En tant que fan de Naruto, là... Ah, c'est une grave erreur. On peut voir que Naruto a des caractéristiques assez minables. Hein. Même si... La plupart des persos sont vraiment... ils ont des techniques différentes. Et... Comment dire, c'est vraiment les caractéristiques. Faut pas se baser sur les caractéristiques parce que Naruto il peut être aussi fort que Kakashi. Hein. Si on se débrouille bien avec chaque personnage, ça peut faire quelque chose de bien quoi. Je vais faire le mode, je sais pas moi, combat contre l'ordinateur. Non, attends, je me suis planté. Plutôt celui-là, ouais. Jouer contre l'IA. Et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais me marrer un peu, on va prendre Crow. Akamaru ou Crow, c'est les deux persos inutiles, par contre. Par contre, pour le coup, ils sont vraiment nuls. C'est un truc de fou.
Allez, on va faire des attaques de fou, attention. Avec Crow, ça va dégénérer quand même. Ah, il fait des attaques de psychopathe. Donc voilà, ce Naruto Clash of the Ninja, très très bon Naruto. Et pour le début, franchement, ça promet que du bon pour le début de la saga. Ça fait vraiment honneur à la saga. Et graphiquement, le cel shading, c'est magnifique. Même si, bon, niveau décor, bon, je me fais défoncer, mais bon, c'est vraiment Crow et Akamaru, c'est vraiment. Tu joues avec eux, c'est vraiment pour le fun. Hein. Sinon, c'est des persos vraiment pourris. Voilà, il te fait juste un petit combo de merde. Ils ont des combos de merde, hein. Combo liste, ils en ont presque pas. Ah, si, quoi. Ah, quand même. Il y a des combos avec le bouton A, attention. Le bouton qu'on utilise normalement moins souvent que le bouton B. Parce que le bouton B, c'est plus des attaques au cac. Alors que le bouton A, c'est des attaques de loin ou quand on lance des kunai ou des trucs comme ça, comme je viens de faire là. Ou si on peut contrer. Mais voilà quoi, je vais pas aller plus loin. Je déteste ce perso. Kankuro de base aussi, je l'aime pas trop. Mais bon. Chacun ses goûts. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et voilà, c'est un bon jeu, je mettrai une bonne note, un bon jeu de GameCube. Je dis pas non plus que c'est un jeu qu'il faut absolument avoir sur GameCube, hein, pas la Star Fox Adventures ou des trucs comme ça. Mais c'est un petit jeu sympa si on veut jouer à plusieurs, en multi, c'est vraiment sympa. On s'amuse bien. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la revoyure pour... de nouvelles aventures.